ce noyau, c'est vous, mon Dieu, bénigne, à pas nous vivre le septième dimanche, fête Pâques. C'est dimanche qui tombait en deux gros fêtes. L'ascension, on est signe pas de l'église dimanche dernier. C'est fête qui couronnait mission Thérèse Jésus. C'est la Jésus monté dans le ciel, la chita sous fauteuil à droite, papa, côté les grands prêtres pour tout le temps, la plaider pour nous. C'est fête victoire totale, Christ là. Et puis dimanche prochain, nous pourrons faire l'autre gros fête, c'est la Pentecôte, c'est l'Esprit, mon Dieu, l'Esprit qui est dans Christ là. Et vous mettez sous l'Église là, sous Apôtre, puis au cap, gain énergie, force, pour continuer mission Christ là. Donc la dimanche, nous voyons que Pierre apprend leadership l'Église là. Il rassemblait 12 apôtres, et puis il dit, Judas, allez, eh bien, on met l'autre monde pour remplacer. Et il a choisi Matthias, il a posé la main pour que l'Église incarne continue mission Christ. Songez que Christ dit, même Jean-Baptiste a envoyé, c'est comme ça, ouais, voyez-nous tout. Donc, tout de suite, nous venons comprendre, le dimanche, je dis, importance, l'Église. Que des mondes, il y a quoi dans mon Dieu, il y a quoi dans Jésus, il y a quoi dans l'Église. L'Église, c'est un groupe monde que bon Dieu mettait autorité, la mère, elle mettait en charge, responsabilité pour que il y a à la tête évangélisation. Donc personne ne va gagner droit qu'on y vienne, l'ouvrit-il l'Église parle, on l'autre ouvrit l'Église parle, et puis il y a 10 000, 20 000, 50 000, on bâtit l'Église qui divisait, il n'y a pas bien. L'autre, parce que c'est pour nous rester en bas, leadership en bas, conduite Saint-Pierre. C'est pas pour mettre Saint-Pierre dehors, c'est pour dire l'église Saint-Pierre, ah bon, c'est l'église parlant qui bon, pour ne pas changer. Donc, apprendre toute leçon sérieux, Jodia est un appli, moi sur la Bible, Jodia. C'est pour bon Dieu bénir. Vous êtes fidèle à l'Église. Christ est fondé sous Saint-Pierre. Là, ça veut dire l'Église catholique. C'est lui-même seul qui a montré, qui vient lire en ligne directe depuis Saint-Pierre, juste journée, jour dire. C'est pour mon Dieu béni. This Sunday, the seventh Sunday, falls between the Feast of the Ascension and the Feast of Pentecost. Two very significant celebrations. The Ascension, last Thursday, marked the glorious ending of Jesus' earthly ministry and the commission of the Church to zealously bring Christ's salvation to the end of the world. Pentecost celebrates the birth of the Church, the supreme time of her receiving the power from above, the very Spirit of the Most High that equips the Church for her mission. We are living days of great spiritual joys because these stupendous events do not simply belong to the past. The deeds of God are not confined to a single moment of history. They are as real and powerful today as they were 2,000 years ago. May we have the same disposition of heart that we find in the apostles. In the first reading of this day, we see Peter taking leadership of the 12 and calling for the replacement of Judas, the betrayer of the Lord. The mission must go on. One or two may betray, but the mission will go on. The apostles must be the unflinching witnesses of the resurrection of Christ, of the victory of Christ. So in the Gospel, we hear Jesus consecrating the apostles in the truth. The faith of the salvation earned by Jesus is now entrusted to 12 simple men endowed with the Spirit from on high and consecrated in the truth. They are sent by the Father, just like Jesus was sent. So these celebrations enlighten us on the mystery of the Church,
gathered around Peter. Our loyalty to Jesus demands a similar loyalty to the church, called to be the unbroken, undivided body of Christ. Be proud to be a Catholic Christian, one who belongs to the Church of the First Apostles. Frères et sœurs, jeudi dernier, nous avons fêté l'ascension de Jésus, c'est-à-dire le couronnement de sa mission terrestre. Le Père le refait de sa gloire. Il est maintenant assis à la droite du Père. Dimanche prochain, à la Pentecôte, nous célébrerons dans la joie le don de l'Esprit aux apôtres qui, dans les termes de l'Évangile du jour, sont consacrés dans la vérité. Nous devons toujours garder à l'esprit que ces grands événements religieux du passé dominent l'histoire. L'Église d'aujourd'hui est héritière de la même mission et de la même puissance et de la même grâce. Jésus n'est plus visible au milieu de nous, mais son esprit, sa vérité et sa puissance reposent sur des hommes consacrés dans la vérité et officiellement mis en charge de la mission. On n'a rien compris du mystère du Christ quand on nie le mystère de l'Église. Jésus veut d'une Église unie autour de Pierre. Personne n'est autorisé à fonder sa propre Église, à se désolidariser de Pierre, à s'isoler, à fonder son propre groupe. Que l'Esprit Saint, qui est esprit d'unité et d'amour, si nous partageons le même esprit, nous n'avons pas le droit de nous diviser. Que donc l'Esprit ouvre nos yeux et nos cœurs au mystère merveilleux de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, et que notre participation entière à la mission de l'Église soit irrévocable. Que Dieu vous bénisse.